Good morning! Tout le monde va bien? Alors, il y a 2 secondes, j'avais un hoodie de la même couleur que ça et c'était beau. Là, j'ai remis mon Coca-Cola. Il est tout usé. Mais écoute, je suis bien dedans. La différence avec l'autre hoodie, l'autre, j'ai enlevé parce que ça m'étranglait parce que les capuches chez Shein, elles sont 3 fois trop grandes et trop lourdes. Et du coup, ça tire en arrière. Fait ça... Et j'aime pas. Voilà, donc j'ai remis mon hoodie confo. Je m'apprête à monter la vidéo Get Ready With Me de demain, avec la palette Odenzai. Si jamais vous voulez du Odenzai pour Black Friday, c'est moins 40%. Ça vaut trop la peine. J'ai testé aussi les nouveaux baumes Kevidi. Kevidi. J'adore le fini. Voilà. Donc ça. Et ce matin, comme lip balm, j'ai mis les lip baths de Charlotte Tilbury. Le lip bath que j'ai. Je suis amoureuse. Amoureuse. Voilà. J'adore ce produit. Il est magnifique. Il rend les lèvres sans ligne, genre. Lisse et plump. J'ai adoré. J'ai hâte d'utiliser plus. En plus, ça sent la menthe. Et il pique pas, il fait pas mal. Voilà. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, prête, 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 prête. J'ai installé ma petite table déjà ce matin. Là, je vais finir de monter la vidéo. Et voilà. Ça va être une semaine un petit peu comme ça. J'ai un petit peu changé ma version de. Ma version. Ma façon de procéder, on va voir qu'est-ce qui est mieux. J'en profite aussi pour vous dire que pendant que je travaille et tout ça, je pense souvent à la prochaine collection. Je sais, celle-ci vient d'arriver, la prochaine collection, ce sera en 2022, mais il faut que je sois. Je peux pas commencer à réfléchir, genre, bon, bah, la prochaine collection, c'est la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut que les idées mûrissent et tout ça. Et comme c'est sur le thème de la Saint-Valentin, bah, je peux commencer tout de suite à vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir. Comme ça va me permettre de faire quelque chose un petit peu plus, comment dire, à votre goût. Alors, on m'avait posé la question, je sais que c'est Anne-Laure qui m'a posé la question. Est-ce qu'on peut avoir une autre couleur sur un produit si par exemple on aime tel modèle mais qu'on voudrait autre chose? Je pouvais pas, enfin je peux pas faire toutes les couleurs sur tout, mais ce que je vais essayer de faire pour la prochaine collection, quelque chose de nouveau, c'est que je vais essayer de faire un modèle décliné en plusieurs couleurs. Cette fois-ci, j'ai déjà plusieurs idées et on va essayer de voir est-ce que ça vous va ou pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément genre les trucs Saint-Valentin et tout ça, et j'avais envie de rendre la Saint-Valentin moins gnangnan aussi. Alors, je suis très gnangnan, j'adore la Saint-Valentin, les cœurs, les bouches, le rouge, le rose, je suis à fond dans la Saint-Valentin, vous le savez, je suis... Alors c'est une fête que je fête bizarrement pas trop parce que c'est quelques jours avant mon anniversaire, donc je suis toujours combinée les deux. Mais j'ai envie de donner une autre voix à la Saint-Valentin et faire aussi un volet anti-Saint-Valentin. Donc il y aura du noir, il y aura du neutre, c'est sûr et certain. Et du coup bah, je vais essayer de faire des variantes pour pouvoir répondre aussi à tout le monde. Voilà. Donc si vous avez n'importe quelle idée, il n'y a pas de mauvaise idée. Je vous invite à le mettre dans le commentaire. J'adore travailler en collaboration avec vous. Petit bonjour de Chou-Minou. Ça va? Ça va vous? Elle s'ennuyait. Voilà. Jamais très loin, jamais très loin. Toujours plaisir. Ah, c'est chou. Oui. Je ne suis pas respectée très souvent. Je suis prête à commencer la prod du jour. Je ne suis pas seule. Bonjour vous! Vous cachez derrière. Voilà, on commence. J'ai encore tout ça à faire. Mais un petit peu à la fois. Ça, c'est la liste. C'est parti. Good morning! On dirait que j'ai fait un nœud, mais je n'ai même pas fait exprès. Rosette est en action. Je suis méga productive avec ma nouvelle stratégie de production puisque je peux me déplacer dans toute la maison
grâce à ma caméra dans laquelle je surveille tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je pense, c'était pas prévu, c'était vraiment vraiment pas prévu, vu les dernières expériences que j'ai eues en ce qui concerne la production et tout ça. Mais j'ai peut-être une surprise pour vous pour le Black Friday. Peut-être une surprise. J'y ai pensé ce matin quand je faisais ma vidéo spéciale Black Friday où je vous disais il y a certaines compagnies qui sortaient un produit qui restait pas longtemps et tout ça. Spécial Black Friday, le rouge à lèvres MAC noir. Et là je me suis dit peut-être que j'aurai le temps, étant donné que ça implique pas, ça implique des promos et du nouveau en même temps. Pas tant de... Je sais pas trop comment... Je veux pas tout vous spoiler. Je veux essayer. Mais je pense que je vais vous laisser la surprise jusqu'à la semaine du Black Friday. Je vais essayer mon grand maximum de réaliser ça, mais je suis vraiment pas sûre. Je regarde comment ça s'en va, la prod déjà de Noël. Enfin Noël, la dernière collection. J'essaye d'envoyer ça le plus vite possible et le mieux possible. Et si ça fonctionne, on aura peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être. Peut-être. J'aimerais bien avoir le temps. Alors j'avais dit que ce serait la dernière. Mais j'ai peut-être le temps pour une avant-dernière. Peut-être. Ophelia Winter is coming. Silent night. Good morning. Tout le monde va bien? Nous sommes quoi? Les jours sont mercredi. Aujourd'hui, je finis l'emballage parce que finalement hier j'ai eu le temps de bien avancer. Ce soir je passe à la poste pour poster tout ça. Logique. Je vais commencer aussi, comme hier j'avais imprimé aussi des choses, je vais commencer aussi à monter des choses. Écoutez, I'm on a roll. Je suis en fuego. J'essaye de mettre ma carte, mais j'essaye d'insérer quelque chose sans un trou. Attendez. Insère-toi. Voilà. Et oui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et puis projet Black Friday, j'en ai pas dormi de la nuit. je suis trop excitante de mon idée. J'espère pouvoir réussir à la mettre en œuvre. Je conçois bien que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, c'est peut-être trop proche ou quoi, mais j'avais envie de marquer le coup. C'est la première année, donc écoute, on essaye. On essaye, on verra bien. Et j'ai pas envie de trop en dire, mais j'ai envie d'en dire beaucoup. Mais bon, bref. C'est l'histoire de ma vie. Voilà. Sinon, j'ai testé la palette Juvia's Place. Vous l'avez vu ou verrez dans une vidéo. Non, vous l'avez vu dans une vidéo précédente. Je me suis passé mon concombre. L'eau s'est remplie dans le bac. Ça a jamais comme filtré. Et là, comme il gèle, ben, c'est de la glace dedans. Il me reste une pauvre tomate, des piments. C'est pas grave, je fais une expérience scientifique. Voilà, donc c'est ça qui se passe. Toujours un boulot. Boulot. Et puis c'est tout. C'est ça que je voulais vous dire. J'avais des questions. Je voulais juste vous faire un petit retour. Je pense que je fais ça plus souvent dans les vidéos, dans les vlogs, puisque je le fais pas en, tu sais, à partir du moment où je fais un montage et d'un Get Ready With Me, j'ai pas le temps de revenir pour compléter le montage parce que je fais des vidéos tous les jours, donc je peux pas refaire. Enfin, bon, oui. Mais je me dis que peut-être dans les vlogs je pourrais vous revenir s'il y a quelque chose à signaler au sujet des make-up que j'essaye. Et là je viens d'essayer la Juvia's Place, comme je vous dis. J'ai mis les paillettes pressées et à la fin de la vidéo, ça avait pas cuissé. Mais vous savez que les paillettes pressées, il y a comme une espèce de film gras à l'intérieur pour tout consolider ensemble. Et du coup, c'est un petit peu c'est un petit peu le risque. Et là, je touche, je sens que c'est gras. Vous voyez, je sens que ça colle et tout. En termes de est-ce que ça part? Non, mais ça commence à cuisser.
Et ça fait plus ou moins 1 heure et demie. Mais le. Alors, si ça cuise, on le voit pas en fait. Tant que ça, c'est vraiment de proche et tout. Mais le seul truc que moi j'aime pas, c'est que je sens que ça commence à coller et ça fait une pâte en fait. Et pour moi, c'est très désagréable. Donc, c'est un point en moins pour cette palette. Mais le rouge est tellement beau. Le fard à paupières rouge, orangé là, il était assez unique. Je sais pas trop quoi penser. Parce que c'est toujours un petit peu mitigé dans le sens où c'est une palette de 6 fards. Donc sur les 6 fards, s'il y en a un qui fonctionne pas, ça reste difficile à utiliser. Alors là, en plus, c'était une palette pressée orangée. C'était pas comme si on pouvait le réutiliser genre en coin interne ou faire autre chose ou quoi. Et c'est très 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 compact. Donc c'est un pensez-y bien. Je ne sais pas trop quoi faire là. Enfin, je sais ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller dans pas long parce que j'aime pas le feeling. Comme je vous avais dit il y a quelques temps, il y a longtemps, je vous en ai déjà parlé. Et quand j'étais plus petite, je faisais beaucoup d'eczéma et dont sur les paupières. Du coup, j'ai toujours ce feeling de quand c'est pâteux sur ma paupière ou tout ça, je déteste la sensation d'avoir quelque chose qui colle. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'était le retour. J'espère que ça va vous aider. Voilà où j'en suis rendue, je ferme les tiroirs, je ferme. J'ai fait tout ça aujourd'hui. Genre tout ça. Plus tout ça. Voilà, je suis à jour. Pouvez-vous croire? Demain c'est impression. Oui! C'est tout mignon, tu n'aides pas vraiment. Tu es chill? Good morning. Je viens de filmer ce make-up. Il va être en ligne dimanche, si jamais ça vous intéresse. Bordel. Bon, alors, il nous est arrivé une petite couille hier. On est allé à la poste. Si vous nous suivez sur, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que la semaine passée, quand je suis passée, quand? Dimanche à la poste, il y avait un message qui disait que le système informatique était down. Et ça allait bien parce qu'il y avait quand même quelqu'un au comptoir pour récupérer les choses. Même s'il ne pouvait pas avoir accès au système informatique, il pouvait prendre les colis et tout. On est allé hier, c'était quoi? Je suis stressée. C'était mercredi. On est arrivé à la poste. Et il n'y avait personne. Personne. Et là, on arrive, on voit une affiche qui dit. Parce qu'ils ont des problèmes avec le recrutement des gens. Ils n'arrivent pas à recruter des gens pour maintenant. Donc, ils sont obligés de changer leurs horaires. C'était écrit ça. Mais c'était fermé. Et selon l'horaire qui était affiché, ça devait être ouvert encore pour une bonne heure.
Fait que là on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont un problème de recrutement, ils n'arrivent pas à trouver des gens donc ils doivent fermer plus tôt, ou est-ce que ben en fait on n'avait aucune idée. Du coup on est allé à la caisse parce que comme c'est dans une pharmacie, la caisse et la, enfin la pharmacie et la poste sont deux entités différentes et on peut y avoir accès dans le même local en fait. Du coup, j'ai été demander à la caisse qu'est-ce qui se passe et tout ça, pourquoi il n'y a personne au guichet. Et elle m'a dit que ben le système informatique était toujours down. Fait que là, je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi. Donc, je suis saoulée. Du coup, on a un autre bureau de poste qui est un peu plus loin. Puis si jamais c'est pas ouvert... d'ici samedi, on ira à l'autre gros bureau de poste. Donc quoi qu'il arrive, tous les colis seront postés samedi. Mais ça m'a stressé hier. Après, je me suis tapé ma migraine de quand j'ai mes règles. Toujours la même migraine. Donc c'était pas top. Et voilà. Là, il faut que je modifie un fichier parce que hier soir, ça allait vraiment très mal. Faut que je modifie un fichier parce que j'ai acheté des nouveaux anneaux parce que j'ai plus d'anneaux et j'ai pas regardé l'épaisseur du fil de l'anneau, il est plus épais que d'habitude donc je dois changer, modifier le truc. Et c'était ça qui m'a fait chier hier soir, tout me remodifier. Bref, donc là je suis là-dessus, je vous laisse. Sur ça, le vlog n'aura sûrement pas été très très long. Mais écoutez, je sais pas, il y a des gens, ils arrivent à prendre la caméra les jours où ça va pas et filmer et tout. Mais moi, ça me fait encore plus de stress. Donc je filme pas quand ça va pas. Et je reprends quand je repars à zéro le lendemain. Oh, bon, en plus, j'ai plus de piles. Super. Bon, écoutez, merci d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour les Hell and Tea Hell. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!